Hey, salut toi, c'est papa Popote. Ben oui, j'espère que tu vas bien, hein, que t'as pas pogné encore le coronavirus, ça va venir, bon, on sait tout, mais le plus tard possible, c'est sûr. D'ailleurs, je t'invite, hein, à aller voir ma petite vidéo des 10 gestes là, à poser là, pour se prémunir, pour se protéger le plus possible là, du coronavirus. D'ailleurs, toi, à toutes les. Je regarde ma petite vidéo que j'ai faite déjà fait une semaine, puis à tous les jours, je vois que le gouvernement parle tout le temps d'un des gestes que j'ai parlé déjà. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir ça va te donner une avance. Puis en même temps, ben, c'est fait-tu le signe de l'humour, hein, bien sûr, même si c'est très sérieux, on s'entend, là, on peut parler de ça quand même. Le sérieux, là, de toute façon, il nous entoure, puis la gravité. C'est vrai que c'est faut faire bien attention, c'est important, mais quand même, si on fait ce qu'il faut normalement, là, on devrait bien s'en sortir. Hein. On est bien organisé au Québec, en plus de ça, on est content. Si on veut être quelque part en ce moment, ben c'est ici. C'est sûr, ça. Mais écoute, il faut continuer à vivre, hein. Il faut continuer à faire la nourriture, à manger, à faire notre épicerie, puis à essayer d'économiser de l'argent, parce que là, on voit là, qu'il y a des gens qui ont essayé de profiter un peu de la situation pour augmenter les prix, ces choses-là. Ça, c'est dommage, mais c'est pas tout ça là, qui arrive non plus. Hein? Fait que, écoute, vraiment, là, j'ai regardé, j'ai pris le temps cette semaine pour toi encore, bien sûr, peu importe ce qui va arriver. À moins que je tombe malade, là, je ne suis plus capable de parler. Mais sinon, je vais faire ma vidéo à chaque semaine, c'est garanti. Entre le 19 et le 25 mars, écoute, là, c'est vraiment là, les dernières journées, là. De l'hiver, après ça, on tombe au printemps. Hey, c'est le fun, ça commence à. Les journées rallongées, on a changé l'heure, vraiment, là. Ça commence à être le fun. Là. Si ça serait pas cette maudite affaire-là, là, vraiment, là, ça serait le bonheur total. Mais commençons tout de suite, écoute, avec les épiceries qu'on aime tous, là, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Chez IGA, cette semaine, écoute, chez IGA, cette semaine, t'as les cuisses de poulet en spécial, là, à 99 cents, la livre, ou si tu préfères, 2,18 le kilo. Hein, la semaine passée, on l'a eu à 88 cents, là, quelque part ailleurs, mais là, à 99 cents, c'est vraiment la meilleure place cette semaine pour la cuisse de poulet. Pas cher, puis chez IGA en plus, fait que c'est le fun. Tu sais, hein, ça, c'est super le fun. On peut faire plein, plein, plein de choses avec ça. Alors, on peut faire, bien sûr, un petit souper style rôtisserie, mais ce qui est le fun, c'est qu'il nous reste plein de poulet par la suite, surtout quand on en fait pour la peine, pour plein de petits repas dans la semaine, des petits lunchs, là, des petits. Parce que là, dans le fond, les lunchs, pour certaines personnes, on a besoin encore, c'est sûr, mais il faut quand même dîner. Hein? Les enfants sont à la maison, fait que là, ça prend des dîners, fait qu'on va faire des bonnes salades. On ne veut pas non plus là, commencer à se casser le pompon non plus, mais en même temps, ben, c'est le temps aussi de se faire des dire, regarde, on va se faire des bonnes recettes. Hein? Il y a des beaux spéciaux, là, fait qu'on va se faire des belles recettes, on va en profiter, on va être en famille, puis on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein. Souvent, on mange sur le pouce, mais là, vu qu'on a le temps, on ne sort pas de la maison. Fait que, hein, c'est le temps maudit d'en profiter puis de bien manger, pourquoi pas. Hein? C'est ça. Chez IGA aussi, qu'est-ce qu'on a? Écoute, le demi-filet de mignon. Hein, là, écoute, c'est un filet mignon. Il est tout pareil, il est sous vide, tout pareil. Même la petite membrane sans m'enlever, tu la regardes tout le temps là, parce que tu sais, hein, petite membrane, faut que tu laisses pas ça là, mais celui-là, il semble vraiment bien paré. Il est à 15,99 la livre, ou si tu préfères 35,25 le kilo. Ça, écoute, c'est super, là. Ça, tu peux couper ça direct puis le manger de même. C'est super bon, c'est du filet mignon, tu peux pas manquer ça. Il y a plein de recettes que tu peux faire avec ça, puis vu qu'il est paré, ben il n'y a pas vraiment de manipulation de viande à faire, là, tu sais, à commencer à dégraisser ça, puis quand on n'est pas habitué, puis on n'est pas bon avec le couteau, on a peur de se couper, là, tu sais, comment est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment idéal là, pour cuisiner avec cette viande-là, parce qu'elle n'a rien à faire. Tu la sors du sac, puis merci, bonsoir. Hein? Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le filet de morue à 7,99 la livre, ou tu peux faire 17,61 le kilo pour du bon filet de morue frais. Ça a bien du bon sens, là. C'est la meilleure place cette semaine là, pour ce qui est de la morue fraîche, là. C'est chez IGA. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, on a également le filet de sole aussi. On a du filet de sole, de morue, de l'aigle fin, du tilapia, écoute, tout congelé. OK? Ça, c'est un dépanneur. Moi, je l'aime mieux frais personnellement. Hein? Mais quand même, ça, là, à 3,88 pour 400 grammes, ça, là, ça veut dire qu'au kilo, là, c'est à peu près 10 piastres le kilo.
C'est pas cher. Peut-être 11 pièces le kilo. Fait que c'est vraiment pas cher pour du vrai poisson. C'est quand même du vrai poisson, là, tu sais, veux dire. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que il est tout en filet congelé, là, tout séparé. Donc, tu peux prendre tout simplement dans le sac congelé comme ça, ce qui t'intéresse. Hein, t'en veux deux, trois, quatre morceaux. Puis, t'es pas senti l'eau froide. Hein, puis, il dégèle instantanément, là. Tu les sors bien comme il faut. Hein, puis là, tu le fais, tu le laisses à 10-15 minutes sur le comptoir, là, juste pour qu'il sèche un peu. En fait, l'eau s'enlève complètement de ça. D'ailleurs, j'ai un petit chiffon là, que je me sers tout le temps. J'ai ramassé ça depuis que j'ai commencé ça. C'est super. Ça fait au moins quasiment un mois et demi que je m'en sers. Puis j'aime vraiment ça. Là, je te conseille. Je t'ai mis un petit lien là, si tu veux voir. C'est quoi mon petit chiffon là, qui est antibactérien, puis qui se nettoie super facile, puis qui absorbe. Écoute, c'est écœurant. C'est super le fun. Fait qu'écoute, tu absorbes toute l'eau de tes fruits de mer, de ton poisson dans ce cas-ci. Puis tu le fais cuire. Puis ça, là, un petit filet comme ça de morue ou filet de sole, là. Ah ouais, dans la farine, dans l'œuf, ben ça, tu mets ça dans une petite chapelure, ou bien tu prends des Frosted Flakes ou des Corn Flakes, puis là, tu t'écrases tout, là, tes flocons, là. Puis là, tu les laisses un peu gros, puis là, tu rentres ça là-dedans, ça te fait une panure, là. C'est quand même super croustillante que tu mets 2 minutes chaque barre dans l'huile, parce que ça cuit tout seul, là. Puis avec un petit riz, puis avec un petit brocoli, par exemple. Wow! Oh! Ça fait un super vraiment pas cher, vraiment, là, ça vaut la peine. Fait écoute, c'est chez Maxi qui vendent toutes ces sortes de poissons-là, 400 grammes pour 3,88, je te conseille. Ou trouve moi, d'avoir dans la maison, c'est toujours un dépanneur. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, la demi-longe de porc désossée sous vide. Okay. Il est à 1,88 la livre, ou si tu préfères 4,14 le kilo. Ça, c'est sûr que c'est dans son prix. Moi, je l'aime souvent mieux là, quand il est tout frais, là, il n'est pas sous vide. T'sais, il est tout frais, mais quand même sous vide, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le laisser dans ton frigo là, souvent beaucoup plus longtemps que si tu l'achètes juste dans un petit cellophane. Puis là, il faut que tu le manges dans les 2 prochains jours, tu le fasses cuire, en tout cas, pas dans les 2 prochains jours. Tandis que quand il est sous vide, ben là, tu peux le garder beaucoup plus longtemps. Ça, c'est cet avantage. Fait que là, lui, il est sous vide. Ça, c'est intéressant. Puis, avec du porc, écoute, on peut faire tellement d'affaires que je te laisse taper ça dans Internet. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben écoute, petite cochonnerie, là. Hein? C'est sûr que c'est le temps de se gâter un peu aussi. Si on n'a pas le goût, puis on veut juste profiter des gens qu'on aime alentour de nous autres. Mais écoute, la côte levée Loue, la compagnie Loue, Loue, apostrophe S, 5,88 pour 585 grammes. Ça vaut à peu près le double. Donc ça, c'est sûr que c'est salé. Hein, c'est pour... Mais c'est un bon petit dépanneur avec une petite frite ou une petite salade là, pour venir compenser un peu, une petite salade fraîche. Ça, c'est super bon. C'est tellement rapide. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Mais voir la liste de Papa Popote, il y a plein de choses là, vraiment là, intéressantes. Là. Super. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, on a la poitrine de poulet cette semaine. C'est toute désossée. La semaine passée, il n'y en avait pas. Mais là, cette semaine, il y en a. Puis c'est chez Métro. Pas d'os, pas de peau, pas rien. La bouse suprême effrayante qu'on veut toute. On peut se faire des brochettes avec ça, des escalopes avec ça. On peut faire tout avec ça. La soupe, si tu veux, t'es sûr. Puis quoi, il est 3,99 la livre. Si tu préfères 8,80 le kilo pour la bouse suprême de poulet, c'est chez Métro. C'est là qu'il, c'est la seule place qu'il a cette semaine, de toute façon. Que tu sais. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, la côtelette de porc frais. Okay? Comme chez Maxi, mais là, lui, il est frais. Il n'est pas sous vide. Puis en plus, c'est la coupe du sang. Donc, encore plus maigre, là, on pourrait dire. À 2,49, si on peut penser que c'est plus maigre, parce que tu sais, du porc, c'est tellement maigre. À 2,49 la livre, vous préférez 5,49 le kilo. Là, c'est sûr que c'est chez Métro en plus de ça. La viande, on l'aime toute, là. Fait que je te conseille, parce que là, ça, là, tu l'as soit en chop ou tu peux l'acheter déjà en longe. En longe, moi, je pique ça à l'ail, puis je mets ça dans le four, hein, ça vient de finir, puis c'est super bon. Tu le saisis un peu avant, tu le mets dans le four, puis délicieux, délicieux, délicieux. Puis super facile à faire. Puis si t'as un Instapot, un croque-pot, tu peux essayer ça là-dedans aussi, là, tu vois. Que... pas pire, pas tout. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Écoute. Du ballonné. Ben oui, du ballonné. C'est sûr qu'avec du ballonné, moi, quand j'étais petit, on mangeait du ballonné, tu sais, dans les sandwichs. Hein? Des petites tranches de sandwich. On faisait des sandwichs au ballonné, on l'appelait, avec de la moutarde. On savait bien ça. Mais bon, et aussi, ce qu'on peut faire avec ça, c'est quand on l'en jette déjà comme en toupie.
On peut le couper, oui, en tranches pour se faire des sandwichs toutes minces, là, le plus possible. Mais si tu veux, pour un souper, tu le coupes à peu près, tu sais, un quart de pouce, là, juste un peu plus épais quand même, là. Puis tu le fais cuire comme un steak, hein, dans le beurre, là, directement, ou un petit peu d'huile, là. Un petit corps gras, bien, on va dire, c'est assez gras déjà, de toute façon, du ballonné, c'est sûr. Mais tu le mets dans la poêle, hein, du ballonné dans la poêle, ça goûte la saucisse, là. Hein, ça goûte, on dirait, de la saucisse, c'est sûr, avec un petit peu de moutarde à côté, puis une petite patate pilée. Ça fait vraiment pas cher, parce que là, il est combien, là? Il est 4,49 la livre, tu peux faire 9,88 le kilo. Ça revient, comme tu vois sur la photo, à 99 cents, là, le 100 grammes. Normalement, une personne va manger à peu près 150 grammes, là, 200 grammes de protéines comme ça, de viande. Fait que si tu penses que 100 grammes, c'est une pièce, fait que 150, c'est une pièce et demie, ça fait pas cher, le souper, là, quand même. Puis, c'est bon pareil, là, c'est sûr, c'est ça qui est surprenant. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, le beefsteak, le contre-filet, là, hein, ça, c'est un bon steak, ça, à 5 pièces la livre. Ou 11 piastres et 2 le kilo. Ça, c'est vraiment un bon prix, là. On le levait à 4,99 là, cette semaine chez Métro. Chez Provigo, plutôt, c'est 5 piastres, 4 piastres. Tout, c'est pas 4,99 ou 4,99, non, c'est 5 piastres. Ou si tu préfères 11 et 2 le kilo. Pour le contre-filet, c'est sûr que c'est le meilleur steak cette semaine en spécial, peu importe la place, là. C'est chez Provigo que tu vas le retrouver. Hein? Fait que, si t'as goût d'un bon steak, c'est là que ça se passe. Aussi, chez Provigo, ben, le filet de saumon. Ah, enfin, le filet de saumon, on ne l'a pas vu la semaine passée, il y avait juste du filet de truite. Mais là, cette semaine, il y a à 9 piastres la livre, où tu peux faire 19,84 le kilo. On l'a déjà vu, tu sais, à 17 piastres quelque chose le kilo, là, ça c'est prix exceptionnel. Mais en bas de 20 piastres, comme tu sais, chaque semaine, je te le dis, c'est sûr que le filet de saumon frais, là. Puis c'est chez Provigo, je l'avais fait pour mon petit saumon à la moutarde, ou même le petit sushi, là. Les petits sushis, d'ailleurs, je travaille sur. J'étais supposé le faire fin de semaine, hein, tu le sais, mais. À cause de tout ce qui s'est arrivé, le coronavirus, puis tout, puis j'ai fait des vidéos là-dessus un peu. Fait que ça, j'ai pas pu finir mon montage, mais ça s'en vient, là. Tu vas voir mes beaux makis, puis mon riz à sushi, puis toute la patente. Ça s'en vient. Mais écoute, cette semaine, en tout cas, ça se peut que je m'en fasse parce qu'on a le temps, là, justement, là, pour faire ça, puis s'amuser avec les enfants, parce qu'il faut les sushis à la gang, et c'est le fun aussi, là. Donc, il est comme je te dis, chez Provigo, là, 9 piastres la livre, 19,84 le kilo, pour du vrai bon saumon frais. Super! C'est chez Provigo. Aussi, chez Provigo, ben, il y a les côtes de dos. Les côtes de dos, tu fais des spirib, tu fais bouillir ça, ben, après une petite marinade, tu fais tes côtes levées à toi. C'est sûr que il n'y a pas une côte levée sur le marché, que ce soit les bâtons roux, loup, n'importe quel, je ne vais pas te les nommer pour rien. Mais tu sais, ça se compare jamais à des côtes levées qu'on fait maison. C'est sûr, là. Hein, mais ça se compare pas en tout. C'est beaucoup plus de troubles, par exemple. Mais écoute, 4 piastres la livre ou 8,82 le kilo, c'est ça. C'est le prix, correctement spécial, c'est pas le meilleur prix, là. Mais c'est le bon prix quand même pour cette viande-là, parce que ça vaut quasiment le double. Donc, c'est assez cher, les côtes levées, quand même. Hein? Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C. Écoute, chez Super C, écoute, dans leur circulaire, ils mettent le meilleur prix de l'année. Écoute, c'est faux. C'est complètement faux, là. Il y en a quelques-uns qui sont des bons prix, mais non, la plupart des prix qui sont là, juste la semaine passée, il y avait déjà des moins chers que ça. Fait qu'écoute, quand même, il y a des bons prix chez Super C cette semaine, dont le filet de porc. Le filet de porc, ça, c'est un vrai bon prix. À 2,94 la livre, hein, ou si tu préfères 6,48 le kilo. À 2,99, là, c'est le top prix là, pour le filet de porc, okay, frais, là. Mais là, il est à 2,94, donc 5 cents de moins, mais t'sais, déjà, à 2,99, c'est super bon prix. Fait qu'à 2,94, c'est juste, tu sais, là, pour te dire que c'est encore meilleur. Dans ce sens-là, c'est vrai que là, ça, c'est un très, très bon prix. C'est rare qu'on l'a moins cher que ça, là, le filet de porc. Écoute, le filet de porc, on en veut tout, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a chez Super C aussi? Écoute, le jambon fumé avec os, ça, là, tu sais, le beau gros jambon avec l'os, ça, là, c'est super bon. J'adore ça, c'est salé, mais il est à 2,49 la livre, ou si tu préfères, 5,49 le kilo. C'est un bon prix. On l'a vu dernièrement, ce prix-là aussi, là. C'est pour ça qu'ils me font rire, avec le meilleur prix de l'année. Mais quand même, écoute, c'est un bon prix, c'est sûr, c'est vrai. Donc, je te le conseille parce que ça, là, un petit jambon de même, là, premièrement, c'est sûr que ça fait bien plus qu'un souper.
hein, ça c'est sûr. Puis en plus, ben, il t'en reste après ça pour le reste de la semaine. Puis du jambon, là, le petit truc pour garder ses protéines. Parce que les protéines, c'est pas parce qu'il y a une protéine dans une viande que, mettons, je sais pas, il y a 18% de protéines. Bon, ben, avec le temps, il perd la force. Ça veut dire qu'il devient moins protéiné. Hein? Après quelques jours déjà, surtout à la lumière, ben, il perd les protéines. Il peut tomber à 14, 13, 14% de protéines. Pour garder ses protéines, okay, le truc, c'est que tu y mets un papier d'aluminium par-dessus pour, en fait, un papier ou quelque chose qui va couper la luminosité de ton frigo à chaque fois que tu l'ouvres, il y a de la lumière qui rentre. Donc, idéalement, c'est que tu coupes la lumière puis tu mets un saran wrap par-dessus. Comme ça, là, écoute, un jambon comme ça, là, tu peux garder ça dans ton frigidaire après qu'un coup tu le cuis puis toute la patente, là, 2 semaines, puis il est encore super bon. C'est vraiment le fun pour ça, ce jambon-là. Là, j'adore ça pour ça. Probablement, je vais m'en faire un cette semaine. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait ça. Ça va être bon, une bonne patate pilée, des petites carottes au miel, là, avec mon petit jambon. Puis je me fais une petite sauce aux pommes et sirop d'érable. Ça va être super ici cette semaine. Aussi, chez Super ici, qu'est-ce qu'on a? OK, ben écoute, le rôti du roi. Il l'appelle le rôti du roi Pardé. C'est l'intérieur de rond. Hein, la semaine passée, on l'avait à 2,99 la livre. Cette semaine, tu vois, c'est le meilleur prix de l'année à 3,47 la livre. Ou tu peux faire 7,65 le kilo. C'est sûr que c'est un très bon prix, là, à 3,47. Pour une viande maigre comme ça, c'est sûr que c'est super. Je te le conseille aussi. Puis c'est la seule place qu'il a cette semaine à ce prix-là, de toute façon. Fait que c'est sûr que c'est le meilleur prix de la semaine. Ça, c'est sûr. Fait que écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de Papa Popote. Hein? Ben, va voir sur le site de Papa Popote. Tu peux t'abonner, hein, VIP, puis le voir vraiment la liste, puis comparer toujours la liste de la semaine d'avant avec celle qui s'en vient, puis tu peux faire toi-même tes comparaisons. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans une page, tu as les 5 épiciers, là. Tu n'as pas besoin de commencer à checker toutes les circulaires, là. Je t'ai déjà décortiqué ce qu'il y a là sur la liste. C'est les meilleurs rabais, les vrais rabais seulement. Puis là, avec ça, ben, tu peux te faire un menu, puis sauver énormément d'argent à chaque semaine. C'est ça. Puis au bout de l'année, là, ben, c'est des milliers de dollars que tu vas sauver. Ton abonnement à Papa Popote, c'est des peanuts, là, par rapport à ce que tu vas sauver. Fait que je te le conseille vraiment. Puis surtout, je veux que tu fasses attention à toi cette semaine. Hein? Tu restes chez vous. Tu suis les conseils. Hein? On a un super gouvernement qui nous donne des conseils à tous les jours. Tu peux aller voir les vidéos de Papa Popote aussi. Moi, je prends toutes ces informations-là. Je vais sur les sites sérieux là, comme Radio-Canada, le site du gouvernement du Québec. Puis je te fais des petites vidéos là, avec toutes les informations à la sauce Papa Popote là, pour mettre un petit peu d'humour dans tout ça parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote pendant que je peux encore. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.